Mesdames, mesdemoiselles, amis sportifs, eh bien, merci de nous rejoindre eh bien, dans Sport Weekend, votre émission eh bien, agenda sportif de fin de semaine. Eh bien, bien sûr, excusez-nous d'abord pour ce petit retard, ce léger retard, mais nous sommes là pour vous présenter eh bien, le programme du week-end. Et il y aura bien sûr du football, la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe de la Confédération, la Ligue des Champions, mais également de l'omnisport avec le cross de Constantine. Alors pour m'accompagner dans cette émission, mon ami Samir Hamdi, merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors bien sûr, l'actualité c'est la Ligue 1 Mobilis avec, on va dire, une journée qui va se terminer dans quelques instants puisqu'il y a un match qui est toujours en cours entre la jeunesse sportive et le Nasser de Hussindey, la jeunesse sportive de Saoura. Le match n'est pas encore terminé et puis dans quelques instants, je vous donnerai le résultat. Mais on va s'intéresser beaucoup plus eh bien, à la journée qui va se dérouler demain, la 21e, et la journée qui va commencer à se dérouler eh bien, lundi et mardi et même mercredi. Donc il y aura des matchs durant toute la semaine. Alors, bien sûr, eh bien, on va d'abord lancer le jingle, comme ça on sera dans le bain. Allez, Jingle Ligue 1. Alors, Samir, la Ligue 1, c'est vrai que bon, bah, quand on jette un coup d'œil, juste avant de jeter un coup d'œil au classement, eh bien, c'est vrai qu'on voit la nette domination de l'USMA d'Alger, avec l'USMA d'Alger qui creuse l'écart grâce à son point ramené de Bjerre. Ah, c'est vrai qu'elle est dans la continuité. L'USMA d'Alger, c'est le leader, disons, pour le moment incontesté, vu que c'est le champion d'hiver, donc il est sur sa lancée. Il a, disons, une assez confortable avance, et il est en train de la gérer. Alors, bien sûr, les deux poursuivants, la GSK qui cale un peu avec cette défaite face au Paradou, mais également, eh bien, on va dire, les deux victoires du CS Constantine et du Mouloudia d'Alger qui mettent un bon pied sur le podium. Ben, juste un mot pour la jeunesse sportive de Kabylie. C'est une jeune équipe, disons que pour le moment, c'était la fougue de la saison dernière avec tous les problèmes inhérents à cette équipe qui ne pouvait pas se mettre en changement. Donc, elle était sur sa lancée, juste pour assurer le maintien. Mais maintenant, disons que la pression a grandi du public, on demande de certains objectifs que même la direction ne voulait pas avouer, et l'entraîneur en l'occurrence, Dumas, qui ne voulait pas mettre de la pression. C'est peut-être cette pression qui fait sur les épaules d'un jeune groupe qui peut-être a joué un tour à cette équipe. Un mauvais tour, il faut dire que cette équipe… C'est la gestion. C'est la quand gestion on ne donnait de, pas la pression, cher ouais. de la peau de la GSK, eh bien, elle caracolait en tête. Et puis, dès qu'on a mis la pression, on joue les rôles, les premiers rôles. Puis là, c'est difficile à gérer. Et au contrario du CS Constantine et du Mouloudia d'Alger, c'est deux équipes qui ont, disons, un effectif assez costaud qui peut gérer la compétition et qui peut revenir, justement, pour ces places ces places honorifiques. Alors, en bas du tableau, on va dire que le CRB respire avec une victoire qui vient, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Exactement, c'est le mot. Hein. C'est une bouffée d'oxygène pour cette équipe du CRB, disons, avec toute son histoire qui pèse elle aussi, et son public fidèle, public, on l'a vu, qui suit son équipe et qui, disons, relance toutes ses chances pour le maintien. Allez, la deuxième partie du tableau, parce qu'on s'est intéressé, bien sûr, le classement, on a vu que l'USMA d'Alger caracole en tête. La deuxième partie, eh bien voilà, c'est vrai. Bon, le CRB, avec ses 16 points et un match en retard contre Devinez qui, le DRB est juste en déplacement. Dans les deux équipes, on va dire que ça sera la mini-finale du maintien, mais vous savez, hein, 16 jusqu'à 24 points, c'est pas très loin. Hein. Ah, se maintient dans un mouchoir de poche, c'est la lutte, elle est soit pour le podium et pour le maintien, sera acharnée jusqu'au bout. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées par la rélégation, et surtout. Smaïn, avec la victoire de 3 points, c'est ça, c'est le charme du football, avec 3 points. Si on arrive à enchaîner 2 ou 3 victoires, on est justement sorti d'affaire. Et les nuls ne font pas l'affaire, justement, il y a une équipe qui… Champion des nuls, c'est l'ASM. C'est l'ASM qui collectionne ces nuls, donc elle fait pratiquement du surplace. Et est-ce que c'est bien de ne pas perdre et de ne pas gagner aussi? Dans le temps, oui, parce qu'une victoire faisait 2 points, un nul, 1 point, mais maintenant, vaut mieux gagner
Et que faire trois nuls successifs? Vaut mieux gagner et Ouais. perdre deux matchs Deux que matchs de... que Même faire. pour le moral, hein, c'est important C'est de sûr. signaler ça. On l'a vu, justement, l'exemple, il est là, le CS Constantine qui enchaîne pratiquement 12, 13 victoires, 12 victoires C'est 12 victoires d'affilée et consécutives, 13 matchs sans défaite. alors qu'il était parmi les relégables juste à la fin de l'aller. Eh bien, voilà, on s'était arrêté à la Ligue 1 et juste le programme du week-end. Alors, le programme du week-end, voilà, donc vendredi, demain, alors nous avons un beau derby à l'est du pays avec le CSC qui reçoit la Saint-Maïmière. D'ailleurs, vous pourrez suivre ce match sur Canal Algérie à partir de 17 h, mais en même temps sur la chaîne terrestre. Et le Mouloudia d'Oran qui reçoit le PAC Paradou. Ce sont deux beaux matchs pour vendredi. Puis samedi, il y a l'Olympique Médéa CRB aussi, un très beau match pour le maintien. DRB Tagenet en tente de Sétif, un autre derby de l'Est. Le Classico GSK MCA et USMA d'Alger USMBA. De belles affiches samedi. Hein. Très belles affiches pour les amoureux du football. Voilà. Alors, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là puisqu'il y aura une journée de foot, eh bien lundi. Et mardi, alors le programme, il y aura des matchs avancés de la 22e journée. Le programme, s'il vous plaît, avec deux matchs pour le mardi, Mopdebjaïa à Kaba Bojbarej, ça sera à 17 h. Et PAC Paradou, CS Constantine, à 17 h 45, ça sera pour le mardi. Le mercredi 13 février, eh bien, il y aura Aïn Mlila qui reçoit l'USMA d'Alger et l'Entente de Sétif face à l'OM Médéa. Eh bien, de très belles affiches. Voilà ça, c'est pour la Ligue 1. On passe à la Ligue 2. Alors, la Ligue 2, eh bien, l'étonnant Nejm de Magala qui est Étonnant et toujours en sympathique train aussi. de s'affirmer, de conforter sa place, c'est Ouais, bien. c'est une belle équipe, sympathique équipe. On l'a vu la dernière fois face à l'Alma. Sincèrement, elle m'a étonné avec une très grande maîtrise collective. Il y a une grande solidarité et pour moi, elle n'est pas vraiment par hasard dans Non, 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 ce n'est pas ce le fruit du championnat. hasard. C'est pas vraiment. Magala, solide leader, on voit le classement qui confirme ce qu'on dit avec. Alors. On va dire un bouillon d'équipe, c'est un peloton. Alors, il y a Tlemcen et Echelef qui sont à deux longueurs, qui sont dans les places de deuxième. Il y a Réalizen à 33, Mouloudia de l'Elma à 32. Et vous savez, demain, c'est Réalizen qui se déplace à l'Elma. L'US Biskra n'est pas très loin avec 31 points. La JSMBG et l'USM Annaba avec 30 points. Voilà. La deuxième partie du classement confirme, si besoin, que la lutte aussi pour le maintien sera rude. Et regardez, l'USM Blida qui n'a pas lâché prise avec ses 10 points, même si on a dit hein, les orteils en division amateur, Kouba, l'Azmodoran, l'Arrache qui souffle un peu mais qui n'est pas à l'abri. Alors regardez, après, quand on voit ce classement, hein, quand on voit ce classement, eh bien, on se rend compte, eh bien, Samir, que la Ligue 2, c'est vraiment du spectacle. Il y en a du spectacle. On a assisté à de très belles rencontres. Justement, cette semaine, il y aura vraiment de très belles affiches. Vous l'avez dit, Smaïn El-Elma face à Réalizen. Il y a aussi un très beau Ah, Nejm Magala, Magala et ce Magala chef qui Chelef sera à sulfureux. couteau tiré. Ça sera pratiquement le match de l'accession. Alors, regardez-moi ce programme que le football vous réserve pour ce week-end, la Ligue 2. Eh bien, voilà. Alors, Skikda qui reçoit l'USM Annaba, le derby de l'Est du pays, ça sera à 15 h. Béjaïa qui reçoit Boussaada, pardon, l'Arrache, l'Azmodoran pour la lutte au maintien. Les deux équipes sont à un point. L'USM Blida et Biskra. Ça sera à 15 h. Et bien sûr, Nejm Magala et Sochlef, ça sera à 15 h. Samedi, le reste des rencontres, Saïda, RC Kouba, Mostaganem, Wydad de Tlemcen, le derby à l'ouest du pays, et Mouloudia de l'Elma, RC Rélizin, ça sera à 17 h. Donc, quelles belles affiches! Oui, quelles belles affiches, surtout pour le public qui est avide de ce genre de rencontres très disputées et indécis jusqu'au bout. Allez, on passe à la Champions League et à la Coupe de la Confédération. Alors, la Champions League d'abord, puisqu'à tout seigneur, tout honneur, on commence par bien sûr, la Ligue des Champions. Alors, tenez-vous bien, le nul ramené par Saora, à qui vraiment, après avoir été mené 2 à 0, revenir à 2 à 2,
dans un match course-poursuite à Ovita Club ouais, du Congo. Surtout, du Congo, pardon. Le nul arraché à la dernière minute, pratiquement la dernière seconde, conforte cette équipe du Sawala et même relance l'esprit, enfin la compatibilité dans ce groupe-là. Voilà, Ali aussi, qui reste bien sûr pratiquement. Ali, MVP à présenter, il est en train de gérer, il a beaucoup d'expérience de ce genre de confrontation et pour ces poules-là, je pense qu'il est en train de gérer parce que il est pratiquement qualifié, lui. Le CSC est le plus grand vainqueur du groupe C. Bien sûr, il est exempt. Et il y a, bien sûr, le match, on va dire, retour avec le club africain qui reçoit le TP Mazembe. Eh bien, ça sera pour le mardi. Hein. C'est pour ça qu'on a laissé la Champions League en dernier. Parce que, eh bien, mardi, on jouera Jeunesse Sportive de Saoura, Vita Club. Ça sera à 20h. Simba de Tanzanie contre l'Ahli, ça sera à 14h le même jour. Et le club africain reçoit le TP Mazembe à 17h, on en saura un peu plus sur, bien sûr, le devenir de ces... Surtout pour le CS Constantine, vu qu'il y a une confrontation directe entre les deux clubs, pratiquement, c'est le deuxième ou le premier qualifié qui on va joue être... pour la deuxième, première deuxième place, parce qu'après l'écrasante victoire oui, du TP Mazembe, 8-0, ça restait à travers la gauche. Ouais, je pense à une humiliation ouais. qui sera très difficile à gérer. Ouais, alors que ça va, ben, elle est là pour confirmer, pourquoi pas avec une victoire, parce qu'elle peut vraiment passer. Allez, Nassar de Hussein Day eh bien, commence très bien son parcours avec une victoire contre Petro Atlético de l'Angola et va se déplacer aux Zamalek mercredi prochain et ça sera à 20h. Elle a fait le boulot, c'est-à-dire de gagner 3 points. Ce déplacement à Zamalek, vaut mieux se déplacer avec 3 points déjà dans les sarcelles que 0 ouais, points. Donc il n'y a pas de pression, ils vont essayer de gérer aussi. Tout à fait, logiquement. Et cela, on passe sans transition à l'Omnisport, s'il vous plaît. Alors, l'Omnisport, on va parler, vous savez, d'abord d'athlétisme, parce que eh bien, le challenge national, dans le quatrième cross, il s'appelle Abdelmajid Aoubida de Constantine. Et bien sûr, en suivant ces images, bien sûr, ça sera un très beau rendez-vous qui va se dérouler samedi à la forêt de l'Baraouia. Et l'élite nationale sera en force pour faire bonne figure afin d'être retenu au championnat du monde de la spécialité au Danemark le 30 mars prochain. Donc c'est dire bien que Constantine sera la dernière étape de cette compétition fédérale qui verra la participation des athlètes de l'élite, le circuit des différentes distances. Hein. Il y a les Benjamins et les Benjamins commencent avec 2000 mètres et on termine avec les seniors 8000 mètres et ça se déroulera à Al-Baraouia, c'est tout près de Constantine et El Khloub. Voilà, c'est entre les deux et c'est en hauteur, c'est une très belle région. Il y aura du handball, mais seulement pour les dames avec la dixième journée. Je vais voir pour vous donner le programme complet. On a joué aujourd'hui, mais on jouera aussi vendredi. Le Bière reçoit Didouche Morad. Eh bien, et aussi Hawad Saïda recevra l'ASFAS de Constantine et Ouzlegen reçoit l'US Akbou. Eh bien, on jouera aussi au basketball senior dames. Je ne vais pas vous donner le programme. Les messieurs sont au repos. Eh bien, l'honneur aux dames qui joueront la dixième journée. La super division en volleyball, pardon, les dames joueront les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie avec, vous savez, de très beaux derbies, notamment dans la ville de Béjaïa, qui reçoit Béjaïa, le LC Béjaïa qui reçoit Sadouk, même Béjaïa qui reçoit le GSP pétrolier. Ce sera vendredi. Et puis samedi, on aura deux matchs contre eh bien, Béjaïa qui reçoit l'OS Tichy et le Ner Béchlef qui reçoit Hassim Saoud. Ça, là, c'est juste pour donner le programme et pour dire que aussi il y a les autres disciplines qui se déroule durant le week-end. Allez, plus beaucoup de temps. Samir, merci d'avoir fait le déplacement. C'est moi qui vous remercie, Samir. C'est un plaisir aussi. Plaisir partagé. Merci eh bien, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour commenter ensemble le match de la Samaïm Lila qui rend visite au CS Constantine. Mais il y aura aussi un beau programme avec le Mouloudia d'Oran qui reçoit le PAC Paradou. Ça, c'est pour vendredi. Ne ratez pas les rendez-vous sportifs de Canal Algérie avec, bien sûr, Canal Foot le dimanche à 21h avec Hakim Tchelou et toute l'équipe. Et bien sûr, on suivra
avec intérêt, seconde de chrono, présenté par Mokhtar Hammani en compagnie de Nordine Hendi. Merci de nous avoir suivis, merci à Adel Mhindetsi qui a fait l'effort quand même de venir réaliser cette émission, le remercie. Et merci à toute l'équipe qui n'aura ménagé aucun effort pour vous retransmettre Sport Weekend. Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci.